Bonjour tout le monde, alors c'est encore moi Daniel, je vais vous présenter aujourd'hui la séance de musculation qui va être basée en fait sur la résistance musculaire mais et aussi sur l'ensemble du corps. Alors d'abord je vais vous présenter l'échauffement et ensuite les différents exercices à reproduire chez soi. On commence par l'échauffement. Donc c'est simple, vous commencez par des fentes latérales. Donc on est ici, on vient sur le côté. Voilà. Pliez bien les jambes, sentez bien que vous activez l'ensemble du corps. Donc vous en faites 10, ok? Ensuite, vous faites 10 sumo squats, vous allez voir, en touchant le sol et en levant les bras au-dessus de la tête. On écarte bien les jambes, on vient toucher ici et ensuite on lève les bras. Et pareil, on en fait 10. Donc quand vous avez fait vos 10, vous allez vous mettre au sol et vous allez réaliser 5 pompes avec ou sans genou au sol. Donc on se positionne ici et on y va pour les 5 pompes. Et 5. Alors, vous soufflez un petit peu. Il faudra bien vérifier les positions, d'accord? Comme la position pompe, une bonne poussée verticale, épaule au-dessus des mains. Et vous faites 4 tours, voilà, sans vous précipiter et en y allant progressivement. Maintenant que l'échauffement est fait, on rentre de suite dans le corps de la séance. Alors, on va commencer par le haut du corps, ensuite le bas du corps et enfin un petit challenge abdos. Ok? C'est parti. Alors, pour le premier exercice, pompe déclinée. Vous avez besoin d'une chaise que j'ai placée ici et vous allez faire 15 répétitions. Ok, quand vous avez fait les 15, vous prenez 1 minute de repos, ok? Et ensuite, vous faites 3 autres séries de plus. Donc en tout, 15 répétitions, 4 séries, 1 minute de récupération. Deuxième exercice, c'est les dips. On utilise toujours la chaise qui est là. Donc voilà, 15 dips. Alors vous avez vu, je vous ai présenté avec les genoux fléchis, pieds au sol ou jambes tendues. Ça, c'est en fonction de vos moyens, d'accord? Et bien sûr, faites attention, ne pas descendre trop bas le corps pour ne pas endommager vos épaules. Parce qu'il y a un risque de blessure. Donc toujours pareil, 15 répétitions, 4 tours, avec 1 minute de récupération. Ok? Maintenant, on va attaquer le bas du corps. Alors, premier exercice bas du corps, vous allez voir, c'est des fentes multidirectionnelles. C'est-à-dire qu'on va faire 8, droite et gauche. Ok? Je vais vous montrer. Une devant, une en diagonale, une vers l'extérieur. Et vous changez de jambe. Une devant, une en diagonale, une vers l'extérieur. Ça fait 2. Devant, diagonale, extérieur. À gauche, devant, diagonale, extérieur. Ça fait 4. Donc vous allez jusqu'à 8, ok? Donc 4 de chaque côté. Vous prenez 1 minute de récupération et vous recommencez. Donc pareil, 4 tours, ok? Avec 1 minute de récup. On reste sur le bas du corps. Maintenant, on va faire un petit circuit avec squat, vous allez voir, et ensuite demi-pointe pour engager les mollets. Ok? Donc pour les squats, pareil, vous en faites 15
et les demi-pointes, vous en faites 15. Je commence par les squats. Donc on fait attention à la position. Les genoux au-dessus des chevilles, les fesses en arrière. Ok? D'accord? Quand j'ai fait les 15 squats, je reste en position basse. Et vous allez voir ici, je décolle les talons. Vous voyez? Ma ligne de corps ne bouge pas. Et je viens presser. Hop! Si vous en voulez plus, vous vous arrêtez là. Ce qui va permettre d'engager un tout petit peu plus les mollets. Et pareil, 15. Donc, 15 squats, 15 demi-pointes, 1 minute de récup. Et vous refaites 3 autres séries. Donc pareil, 4 tours en tout. Ok? Donc on a fini avec le bas du corps. Et maintenant, le circuit, en fait, pour les abdos. Donc ce que j'ai fait, on va engager toute la ceinture abdominale avec l'avant et l'arrière surtout. Ok? Donc pareil, on a besoin de la chaise que vous avez là. Je vais commencer par le pont. Il faut en faire 10. Et après, 10 crunch. On se place. Alors, pour le pont, pensez à bien écraser les talons dans la chaise, d'accord? Et ensuite, pour les crunchs, pas d'à-coups et surtout pas d'utilisation au niveau de cervical. Pensez à avoir un regard diagonal vers le haut, ok? Rentrez le menton un petit peu si possible et bien de vous concentrer à charger ici le centre du corps et non pas à essayer de lever les épaules en donnant des à-coups. Donc voilà mon programme musculation. J'espère qu'il va vous plaire et surtout, restez connectés. Ciao tout le monde!